Une entrevue avec Monseigneur Proulx pour parler des 100 ans du diocèse de Gaspé. L'intégrale de cette entrevue est disponible dans l'émission Enjeux de société, car la discussion s'est étirée aussi vers l'avenir du diocèse et les changements qu'a vécu le diocèse durant ces 100 dernières années. Une conversation intéressante que je vous invite à regarder dans l'émission Enjeux de société. Chers diocésains et diocésaines, c'est avec une grande joie et beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce qu'en 2022, nous célébrerons le centenaire de notre Église diocésaine. Cette fête diocésaine que nous préparons avec beaucoup d'espérance concerne tous les baptisés, toutes les personnes qui font partie de cette Église, et toutes les communautés chrétiennes seront invitées à participer d'une manière particulière à partir d'événements qui pourront naître dans chaque communauté, mais en même temps qui pourront aussi être suggérés par l'équipe diocésaine. Alors, bonjour Monseigneur Proulx, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Alors, on a vu passer dernièrement dans nos communiqués que le diocèse s'apprête à fêter ses 100 ans, hein, c'est bien ça si je ne me trompe pas? Oui, 100 ans, oui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un petit survol, un historique, je ne sais pas si c'est possible, en quelques minutes, là, du diocèse un peu de Gaspé? Alors, le diocèse de Gaspé est né d'une séparation, si on peut dire, en provenance du diocèse de Rimouski. Alors, on est une partie du diocèse qui était à Rimouski. Okay, en 1922, il y a eu un détachement, disons, c'est ça, un détachement du diocèse de Rimouski pour fonder le diocèse de Gaspé en 1922. Monseigneur Ross était vicaire général au diocèse de Rimouski et il a été choisi pour être le premier évêque du diocèse de Gaspé. Donc, ça va faire 100 ans en 2022. On est encore à quelques semaines de 2022, mais il reste que c'est ce qui s'est passé. Il y a 75 ans, donc faut la date exacte, là, mais il y a 75 ans en 2021, donc les îles de la Madeleine ont été rattachées au diocèse de Gaspé. C'était donc à l'origine du diocèse, les îles de la Madeleine n'y étaient pas. Donc, ils sont un détachement de Charlottetown. Mais peut-être pour ceux qui justement n'auraient peut-être pas cette information, mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu à quoi sert le diocèse et comment est-ce que ça fonctionne au niveau du territoire? Qu'est-ce que vous faites? Okay. Le diocèse compte actuellement 64 paroisses. Ça veut dire que 64 paroisses, ça veut dire des unités canoniques, là, des communautés comme Grande Rivière, comme Chandler, comme je sais pas. Chaque paroisse est un regroupement de communautés rattachées à une église plus grande qui s'appelle le diocèse, donc le diocèse de Gaspé. Et donc, toutes ces communautés-là, toutes ces paroisses-là sont rattachées à un évêque. Alors, ils sont pas rattachés à un autre évêque que celui de Gaspé. Autrement dit, un territoire de Pointe-à-la-Croix, on pourrait dire, là, de Pointe-à-la-Croix jusqu'à Cap-Chat, c'est le diocèse de Gaspé comme territoire. C'est assez grand, comprenez. Alors, il y a des communautés amérindiennes, mais qui ont un statut particulier dans le diocèse. Donc, il y a un évêque, un certain nombre de prêtres aussi qui sont rattachés au diocèse et qui servent les communautés chrétiennes dans le diocèse. Il y a des diacres aussi. Depuis quelques années, il y a des diacres permanents, donc des hommes qui peuvent être mariés, qui sont diacres, qui ne sont pas prêtres, mais ils servent l'Église, ils rendent beaucoup de services au niveau diocésain aussi, dans les paroisses. Il y a plusieurs communautés religieuses, il y en avait beaucoup plus avant, autrefois, maintenant il y en a un petit peu moins, mais ils ont diminué en nombre aussi, puis il y a, comme vous savez, il y a eu des communautés qui n'ont pas, ils sont pas disparus, mais ils ont quitté le diocèse parce qu'ils étaient moins nombreuses, puis ils se sont regroupés ailleurs. Moi, je suis dans ma sixième année. D'accord. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé ma sixième année comme évêque ici. Quand je suis arrivé il y a 5 ans et quelques, là, le diocèse comptait 64 paroisses. Depuis ce temps-là, on a quand même
fermé deux églises. Depuis que moi je suis ici, là, on a fermé deux églises dans le diocèse. Pourquoi? Parce que les petites communautés étaient très petites et qu'elles ne pouvaient plus subvenir directement aux besoins de leur église, l'entretenir, etc. J'imagine que comme dans beaucoup de domaines, 100 ans, c'est quand même beaucoup, et les choses changent, évoluent. Il y a des remises en question parfois où il y a des choses qui restent dans le niveau des traditions, mais je me demandais, par exemple, la Grande Rivière, qui est un exemple concret, là, il y a un projet qui s'appelle Un lendemain pour notre Église. Est-ce que, pour réfléchir justement, des fois, à garder le culte, mais aussi utiliser les bâtiments pour d'autres choses, ma question était plutôt aussi comment vous voyez les prochaines années suite à ces 100 années avec tout ce qui s'est passé? Comment vous projetez la place du diocèse et des églises dans le territoire? Bon, depuis 2018, moi je suis arrivé en 2016, mais en 2018, on a fait un projet, j'ai proposé un projet d'unification des communautés, des églises, des fabriques, si vous voulez. Alors, des regroupements, donc des fusions de paroisses pour mettre des forces ensemble, hein, pour se solidifier ensemble. Alors, donc, on est en démarche là, de regroupement des communautés paroissiales. Et donc, actuellement, je pourrais vous annoncer assez officiellement que à partir du 1er janvier, les communautés de Maria, Carleton-sur-Mer, Saint-Jules et New Richmond, Saint-Omer, les 5 paroisses vont être regroupées en une paroisse. Donc, toutes les 5 paroisses vont être supprimées officiellement pour n'en former qu'une en conservant leurs 5 lieux de culte. Et donc, il y a un seul curé aussi, un seul prêtre pour l'ensemble de ces communautés-là. Le regroupement de ces communautés-là devient nécessaire partout. On n'est pas le seul diocèse, les autres diocèses sont beaucoup, j'allais dire, plus avancés que nous dans certains diocèses pour ces regroupements-là. Nous, on a pris un peu de retard. Et il faut dire que la pandémie là, qui nous occupe tout le monde nous a retardés parce qu'on aurait plus qu'une de fait. Là. Mais bon, les autres sont en cheminement pour devenir. Donc, on va passer, nous, normalement, là, si tout va bien, là, mais peut-être que ça va prendre peut-être plus une année ou deux de plus parce qu'on a été retardés, comme je viens de vous le dire, mais on va passer de 64 paroisses à 11 paroisses. Maintenant, si on en revient vraiment aux festivités, ou de quelle façon est-ce que vous allez célébrer ces 100 ans du diocèse de Gaspé? Ben, dimanche, d'abord, on va dimanche à la cathédrale de Gaspé, nous allons faire une messe solennelle qui va lancer les fêtes pour l'année. Ça va durer un an, évidemment. Et donc, dimanche prochain, on lance cette fête-là. Il y aura des visiteurs le président de l'Assemblée des évêques du Québec va être ici avec nous, l'archevêque de Rimouski, puisque notre diocèse a été pris du diocèse, détaché du diocèse de Rimouski, l'évêque de Rimouski, donc, est l'archevêque, c'est-à-dire le métropolitain, et l'évêque de Bécomo va être aussi avec nous. Nous sommes les trois évêques métropolitain de l'Église métropolitaine. Le président de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est l'évêque de Saint-Hyacinthe, va aussi être présent pour représenter tous les évêques du Québec au début de cette fête-là. Dimanche, il y aura donc aussi des intervenants au niveau amérindien. On va faire une attention spéciale aux communautés amérindiennes qui vont intervenir aussi dans la célébration. Et le thème c'est je ne l'ai pas devant les yeux, puis on dirait qu'en parlant, il ne veut pas me revenir. Vous voulez le dire? Toujours en route, jamais déraciné. Toujours en route, jamais déraciné. Et on parle de la croix comme signe d'enracinement, c'est la croix du Christ qui est l'enracinement dans la foi des communautés chrétiennes. Donc, on demeure en route, mais à cause de la foi. C'est la foi du Christ qui nous rassemble, qui nous conduit, qui nous guide. Et donc, toujours en route, jamais déraciné, ça va être le thème qui va nous guider tout au long de l'année.
Maintenant, si on en revient vraiment aux festivités, ou de quelle façon est-ce que vous allez célébrer ces 100 ans du diocèse de Gaspé? Ben, dimanche, d'abord, on va dimanche à la cathédrale de Gaspé, nous allons faire une messe solennelle qui va lancer les fêtes pour l'année. Ça va durer un an, évidemment. Et donc, dimanche prochain, on lance cette fête-là. Il y aura des visiteurs qui vont. Le président de l'Assemblée des évêques du Québec va être ici avec nous. L'archevêque de Rimouski, puisque notre diocèse a été pris du diocèse détaché du diocèse de Rimouski, l'évêque de Rimouski, donc, est l'archevêque, c'est-à-dire le métropolitain. Et l'évêque de Baie-Comeau va être aussi avec nous. Nous sommes les trois évêques de la. Nous sommes les trois évêques de la. Ben, je viens de le dire, là, le métropolitain de Oui. l'Église métropolitaine. Donc, il y aura donc, le président de l'Assemblée des évêques du Québec, qui est l'évêque de Saint-Hyacinthe, va aussi être présent pour représenter tous les évêques du Québec au début de cette fête-là. Dimanche, il y aura donc aussi des intervenants au niveau amérindien. On va faire une attention spéciale aux communautés amérindiennes qui vont intervenir aussi dans la célébration. Et le thème, c'est, je ne l'ai pas devant les yeux, là, puis on dirait qu'en parlant, il ne veut pas me revenir. Vous voulez le dire le Toujours thème? en route, jamais déraciné. Toujours en route, jamais déraciné. Et on parle de la croix comme signe d'enracinement, c'est la croix du Christ qui est l'enracinement dans la foi des communautés chrétiennes. Donc, on demeure en route, mais à cause de la foi. C'est la foi du Christ qui nous rassemble, qui nous conduit, qui nous guide. Et donc, toujours en route, jamais déraciné, ça va être le thème qui va nous guider tout au long de l'année. Et Monsieur Richard Vidal, qui est un compositeur, nous a fait un très beau chant liturgique, Croix d'amour, ça s'appelle. Et donc, il va être interprété un peu partout dimanche, à partir de dimanche, dans les diverses communautés paroisses. Et ici, à la cathédrale, bien sûr, la chorale va l'exécuter avec beaucoup de dynamisme. Donc, on entre dans une dynamique de foi et de joie aussi. Et on veut que par là, ça nous donne du renouveau, que ce soit une source de renouveau pour nous, pour aller plus loin comme communauté chrétienne. Mais dans un contexte qui n'est pas, vous le savez aussi, comme moi, qui n'est pas facile. Hein? Le contexte québécois n'est pas facile. Bon, on est dans un monde de laïcité, si on peut dire. Mais en même temps, nous, comme chrétiens, on doit pouvoir évoluer à l'intérieur de ça. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les 100 prochaines années à Les venir, pour cinq, les ah, 100 les des 100 100 prochaines prochaines années années. pour le diocèse de Ah, Gaspé? ah ben, j'espère que. D'abord, on est en train de changer le visage. Le visage de l'Église va changer. Je ne crois pas qu'on va garder la même configuration. Oui, au niveau du territoire, oui, mais la configuration actuelle des paroisses, ça, c'est appelé à changer beaucoup. Je pense que ça va changer. Alors, mais on est dans un contexte de foi et on sait que c'est pas. Les perspectives ne sont pas toujours simples à voir ni à prévoir, mais en même temps, on a cette espérance pour l'avenir qui va s'élaborer au fur et à mesure. On travaille fort ici, au niveau de l'évêché, avec les prêtres aussi, à chercher des pistes nouvelles pour faire vivre l'Église ici. Hein? Puis comment rejoindre les plus jeunes aussi dans nos communautés. On travaille ça aussi beaucoup. Alors, on espère arriver à quelque chose. On a de l'espérance. On n'est pas en train de dire qu'on va mourir. On est en train de dire qu'on va vivre, mais différemment. Croix d'amour plantée sur nos terres, guide nos pas vers toi. Croix d'espoir au cœur de nos prières, sois le rocher de notre foi. Alors, je vous rappelle que l'intégrale de cette entrevue, qui dure 25 minutes environ, vous la retrouverez dans l'émission Enjeux de société, parce qu'on trouvait ça assez intéressant
de laisser justement la réflexion de tout ce qui pourrait devenir. Donc il y a toute une réflexion autour du devenir du diocèse de Gaspé, avec son historique bien sûr. Là c'était juste un extrait pour parler plus des festivités. Mais dans l'émission Jeux de société, vous allez découvrir une entrevue bien plus riche. Donc je vous encourage à aller voir cette émission sur le canal communautaire.